C'est vraiment très difficile. Les villes deviennent de plus en plus des dépositoires de poubelles. Et pour changer de mentalité, il faut commencer à la base. Et c'est pourquoi nous avons visé les écoles. Si le changement vient des écoles, je crois que dans quelques années, les gens comprendront la situation de l'environnement. C'est ça notre objectif, de commencer à la base. Parce que les villes, les adultes, ils le font, je crois qu'ils le font exprès. Mais les enfants, quand ils passent par les enfants, je pense qu'on pourra obtenir un résultat assez bien. Mais aussi avec l'appui des autorités aussi, qui voient que ce qu'on est en train de faire, je crois que c'est quelque chose à encourager. Très content de la mobilisation des élèves de ce département où je suis, où j'ai commencé mes études. Et qu'on ne peut pas être sensible un peu à l'environnement avec tout ce qui se passe dans tout l'ensemble. Nous avons des problèmes de déchets plastiques, nous avons le déboisement de la mangrove et la forêt. Et avec le projet qu'on a de mettre École Nature, nous avons décidé d'aller à la base, à la sensibilisation de l'environnement en commençant par les écoles. Donc c'est ça qui, aujourd'hui, nous avons démarré par la commune de Suy, avec les collèges, les lycées, les écoles primaires. Et nous allons continuer ce projet dans l'ensemble du département, avec Oussouy, avec Moulomb, les îles Karaban, en passant par Kabous et Diemara. Et donc nous pensons que c'est une très bonne chose. La sensibilisation de l'environnement commence par la base, et je pense que c'est ça. Et aussi de là, nous avons remercié nos partenaires Cultura Dakar qui vont nous aider à assurer les concerts. Nous avons le Padelkar aussi qui nous appuie avec les produits matériels. Et aussi d'autres associations qui sont là, qui ont déjà démarré le boulot, telles que la GEC, les milliers d'étudiants, et puis voilà l'ensemble. Aujourd'hui, 3000 personnes sont très contents et nous espérons avoir encore plus à Moulomb et dans les autres endroits. Donc,